Salut tout le monde, c'est Blurry Days, on se retrouve pour la 8e vidéo sur PES 2015. Donc on continue la ligue, c'est toujours la 12e journée et toujours avec moi donc Raph, Salut tout le monde. prêt pour le match donc démon son équipe contre le Bayern de Munich. Donc c'est parti. Et nous retrouvons donc PES United contre le Bayern de Munich. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Donc Démon 6e du championnat pour l'instant, à 3 points du Real Madrid 5e. Donc il faut absolument gagner. Le Et Bayern nous je crois est allons en découvrir 12e. les choix des deux entraîneurs. C'est parti. Et on rentre dans le vif du sujet. Il n'y a plus pour faire ça. Iniesta. Il est solide dans ses duels. Quelle occasion, attention! C'est dommage, j'étais bien parti. Un corner, c'est une cartouche pour lui. Première occasion dangereuse, et eh bien il n'aura pas fallu attendre longtemps. Le coup de tête. Oh là là là, oh. Ça joue long. Robben cherche la verticalité. Thiago Silva. Oh putain. Mario Götze. Ribéry qui commet une petite faute. Robben. Quelle frappe! Oh, c'était une jolie frappe. Sergio Ramos. Iniesta. Hey, mais non. Il allonge. Il joue dans l'espace. Il est à distance de tir. Et il rate le cadre. Ah, c'est précipité tout ça. Il doit tous vers l'avant. Ouais. Trop loin des autres déjà dès le début. Il a frappé vraiment trop vite. Ça a rien tout ça. Déjà deux frappes. Il montre beaucoup d'intention ce début de rencontre et ce n'est pas pour nous déplaire. Putain. Mario Götze. Et la tiens. Jérôme Boateng. Le ballon sort en touche. Iniesta pour le centre. Oh putain, dommage. Putain, est-ce qu'on avait frappé arrivé? Putain. Oh le bâtard! C'est que mes défenses, les salopes! Bon service! À la bas! Lève la tête, il cherche un appui! Oh, il continue son festival! Le Bayern Munich va frapper le corner! Deux points, ça peut être dangereux. Oh, c'est loin du
cadre. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais c'est rythmé. Faut soigner ses frappes. C'est vrai qu'ils peuvent regretter ces trois frappes ratées qui vont peut-être leur coûter cher au final. Ils sont quand même très très bien rentrés dans le match. Il va se présenter devant le but. Quel plongeon du gardien. Putain, c'est sûr que ce gardien. Il est vraiment impeccable, mais ils sont où les défenseurs? Ouais. Reste un bâtard, mais pas la cible. William, il va s'occuper de ce corner. Pourquoi les trucs ils se fichent pas, c'est quoi le délire? L1. Non, pas L1, c'est quoi R1? Gardien est là, pas de problème. J'espère pas nous casser les couilles celui-là. Toujours 0-0, mais un match pas inintéressant jusque-là. Ah, mais. Ils vont pouvoir repartir. Robben dans l'espace. Oh oui. Allez jusqu'au bout. J'étais dedans. Il manquait pas grand chose là. Ouh là là. Ça aurait pu faire. Je sais pas passer loin. Ah, c'est qu'il faudrait passer. Attention à cette passe lobée. Putain. Et le danger est écarté. William. Il glisse le ballon en profondeur. Oh. Raphaël, il est signalé hors jeu. Ah, ça a été en limite alors. Ouais. Ouais. Je voyais pas ça comme ça. Vraiment nul. Le long dégagement du gardien. Ribéry. Putain, c'est pas possible. Le drapeau s'est levé. Eh oui, il part un petit peu trop tôt. Il est en jeu de quelques centimètres. Oh. Il aurait pu siffler avant, je sais pas. Il a 15 ans. Il ne peut pas siffler tant qu'il n'a pas touché la balle. Une très grande ouverture. Ça règle le montage des hors-jeu. Dans le dos de la défense. Ça a oh, appelé. Pourquoi il l'a pas prise? Jérôme Boateng. Putain. Xabi Alonso. Fais tout mal, fais tout mal. Ribéry. Ah, putain, ça devait être une chute. Iniesta. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Ah, casse les couilles. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué loin devant. Attends. Oh. Xabi Alonso. Il joue dans la profondeur. Il m'énerve bien. Ouais, mais putain, casse les couilles, ceux-là, ils sont tout le temps bien placés. Iniesta, le projet vers l'avant. Ouais, c'est un propre coéquipier qui me gêne. Il tente la frappe. Oui, pourquoi pas, très fort, très loin, ça sent énervé, ça. Voilà une bonne occasion de contre. Robben, il peut y aller. Ouais, dégage. Et si aucun but n'a été marqué, c'est surtout par manque d'efficacité. Je voulais remplacer. Chier. Oh, dommage, ouais, c'était pour faut pas y aller avec Thiago. Raphaël. Robben. Ah mais vas-y là. Mais c'est quoi les gars? Ils sont dopés ou quoi? Putain. À la barre. Oh. Ribéry, la passe dans la profondeur. Il doit être en meilleure forme que nous, je pense. J'ai vu comment il joue.
On rate tout. Williams. Tout ce gardien, il nous fait des arrêts pour un des deux cas. Il relance côté droit. Schweinsteiger. Putain, mais ils défendent pas les bâtards. Ribéry. Oh, la passe en profondeur. Mais moi j'ai l'impression qu'on est trop loin des uns des autres. Par rapport à eux là, ils bougent bien les espaces. Le bon service. Pourquoi je suis obligé de donner des longs ballons comme ça? C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. L'âme. Robben, c'est passé. La frappe. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça reste un. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur. Ah, faut aller. Faut aller, j'aurais dû l'avoir là. Et pareil. Oh là, Ramos, passe. Putain, mais Ramos, putain, le gars, c'est quoi la vieille passe, là. Quelle fin de première période renversante. Devant le but, et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Bien, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. L'âme. Mario Götze. Allez. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. William. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause. Il faut surtout que ses joueurs s'impliquent, qu'ils soient plus concentrés. Comment ça, ceci, ça passe, c'est pourri ça. C'est pas normal ça. Bon. Ouais, c'est terminé en deuxième mi-temps, beaucoup mieux, hein, parce que là, c'est pas terrible. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Il est passé, c'est pas fini. Allez. Ils n'ont jamais baissé la tête, même quand ils étaient menés. Et s'ils poussaient pour passer devant maintenant? Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. William. Il tente de la jouer dans l'espace. Ouais, mais... L'âme. Et il bloque à mort, c'est abusé. Mario Götze. Dégage. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Iniesta. Ribéry. Ah mais vas-y, mais il aurait dû faire une tête là, je la remettais. Xabi Alonso. C'est ce qu'il veut le jeu là, aussi. Müller. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Iniesta. Pour trouver la faille dans la défense. Ballon Tain. Intercepté. Ça soulage la défense. Mario Götze. Oh, n'importe quoi. Putain, mais Ramos, mais arrête de rester là, là. Oh, le gars. Il est servi. Il réoriente le jeu vers l'arrière. Il fait nul le match. Müller. Vas-y, mais. Il joue dans l'espace. Sergio Ramos qui remporte son duel. Tu nous fais des gris, gris, gris. Touche. Il progresse encore. Il est en bonne position pour centrer. Il remporte son duel. Oh. Putain, mais t'as tes nets te rattraper toi, ouais. Oh putain. Choisir de centrer. L'âme qui adresse un centre rasant. Putain, mais la défense là. Tout était bon, le service, le timing. J'arrive pas à croire que ce ne soit pas dedans.
gêne pour sa défense. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, mais pourquoi il a fait ça? Putain, je suis dégueu. L'âme. Et la tient. Une très longue passe. Robben. Et balaye. On a passé l'heure de jeu. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Et le centre bien placé. Il la repousse. Il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Mario Götze. Xabi Alonso. Schweinsteiger. Bellatia. Iniesta. Dans le dos de la défense. Énorme occasion. Il frappe au but. Oh putain. Non mais quel sang-froid. Vous avez vu sa petite feinte avant de tirer? C'était super. Bien joué. Bellatia. Jérôme Boateng. Schweinsteiger. Lahm. Une très grande ouverture. Müller. Non. Il n'a pas hésité, c'est propre. Non, mais c'est n'importe quoi. Robben. Robben. C'est un spécialiste des frappes lointaines. Pas les changements. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Allez, ouais, c'est sûr. Jouer, Joe. Müller. Oh, la passe en profondeur. Ah, une chute. Soulage sa défense. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de la surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défendre Fury. Müller. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Ils tentent de la jouer dans l'espace. À la barre. Schweinsteiger, Bellatia, Xabi Alonso, Lahm, ça joue long. Robben, bien servi sur le côté. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Voilà. Oh là là. Jovinko. Walcott pour trouver la faille dans la défense. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Jérôme Boateng. Bellatia. Hey, j'ai failli là-haut. Xabi Alonso. Robben. Oh, il résiste bien. Il continue. Il résiste au forêt. Il a tenté, bien joué. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Raphaël. Schweinsteiger. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. Les adversaires savent que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. C'est une tactique qui marche plutôt bien jusqu'à ce moment. Schweinsteiger. Longue ouverture. Ce contre peut très bien aller au bout. Ah. C'est repoussé. Le danger vers l'avant, il ne reste pas. Ah bah chier, putain, ça passe même pas. Là,
L'arbitre va siffler la fin du match dans 5 minutes et le score est toujours nul. C'est pas terminé. Thiago Silva, il joue dans la profondeur. Il allonge. Robben. Robben, la frappe. Non, mais allez là. Démarqué comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Imagine. C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. Et le doublé. Allez, là, pff, n'importe quoi. Ça m'énerve, ça. Et il recolle dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Ça, c'est tellement bon pour les yeux. Quel but! Et regardez ça, il fait mine de tirer. Le gardien tombe dans le piège et boum, c'est au fond. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. C'est l'une de leurs dernières possibilités. Allez, c'est maintenant. Jolie technique pour se créer l'occasion, mais la fin de l'action n'est pas à la hauteur du début. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et ce match se termine sur ce score nul, mais franchement, on ne peut pas être frustré à l'issue de cette rencontre. On a eu droit à un vrai beau spectacle de foot. Il y a eu tout dans ce match, des occasions, des duels, on s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça, mais tous les week-ends. Pas jouer comme on voulait. On est obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Allez, on me dit match Neuer 7. Ok, il a sauvé son équipe. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera donc pour le prochain match. Donc, Nakachev, le leader contre la Juventus. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!